On commence la programmation en appuyant et en relâchant la touche F jusqu'à ce que l'afficheur indique le paramètre CT, configuration du moteur. En relâchant la touche, on vérifie que ce paramètre est réglé sur MA, Master. Appuyez et gardez appuyé de nouveau la touche F. L'écran indique LO, c'est-à-dire logique de fonctionnement. Lorsqu'on relâche la touche, la lettre E s'affiche, indiquant la logique présélectionnée semi-automatique. Au moyen des touches plus et moins, sélectionnez la logique appropriée. Dans notre cas, on sélectionne la logique A, qui permet la fermeture automatique de l'automatisme. On maintient de nouveau la touche F appuyée. L'afficheur indique PA, qui signifie temps de pause. Le temps de pause actuel s'affiche lorsqu'on relâche la touche. On maintient la touche F et l'afficheur indique PB, c'est-à-dire temps de pause pour l'ouverture partielle. Avec les touches plus et moins, sélectionnez la valeur appropriée. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'afficheur indique FO, c'est-à-dire force du moteur. La valeur 50 s'affiche lorsqu'on relâche la touche. Avec les touches plus et moins, sélectionnez la valeur appropriée. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'afficheur indique SO, c'est-à-dire vitesse en ouverture. La valeur 8 s'affiche lorsqu'on relâche la touche. Avec les touches plus et moins, sélectionnez la valeur appropriée. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'afficheur indique SC, c'est-à-dire vitesse fermeture. La valeur 8 s'affiche lorsqu'on relâche la touche. Avec les touches plus et moins, sélectionnez la valeur appropriée. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'afficheur indique RO, c'est-à-dire ralentissement en ouverture. La valeur 20 s'affiche lorsqu'on relâche la touche. Avec les touches plus et moins, sélectionnez la valeur appropriée. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'afficheur indique RC, c'est-à-dire ralentissement en fermeture. La valeur 20 s'affiche lorsqu'on relâche la touche. Avec les touches plus et moins, sélectionnez la valeur appropriée. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'afficheur indique SR, vitesse de ralentissement. La valeur 0 s'affiche lorsqu'on relâche la touche. Avec les touches plus et moins, sélectionnez la valeur appropriée. Lorsqu'on maintient une nouvelle fois la touche F appuyée, l'afficheur indique ST. En relâchant la touche, on sort du menu de la programmation de base.